Les cinq principaux candidats ont... Pas de réel vainqueur à l'issue du débat télévisé opposant 5 des 11 candidats à la présidentielle française. Hier soir sur TF1, de nombreux sujets ont été survolés, de la sécurité sociale au revenu universel, en passant par le terrorisme. C'est la première fois que des prétendants à la magistrature suprême débattent avant même le premier tour. Et plusieurs participants ont déploré l'absence des autres candidats, à commencer par Marine Le Pen. La chef de file du Front National reste la favorite des sondages, qui la disent tous battus au second tour par Emmanuel Macron ou François Fillon. L'Union européenne. Je suis là. Emmanuel Macron reste, lui, au coude à coude avec la candidate de l'extrême droite dans les sondages. Certains lui donnent même l'avantage avec un demi-point d'avance. Ils me l'ont parfois reproché, j'en ai conscience, mais j'en suis fier. Troisième des intentions de vote, le candidat conservateur des Républicains, François Fillon. Personne n'a voulu parler hier des affaires durant le débat, si ce n'est une légère pique de Benoît Hamon. C'est de l'excès de réglementation d'impôts qu'il est... Mes chères concitoyennes... Le candidat socialiste a, lui, particulièrement attaqué le programme d'Emmanuel Macron, son adversaire centriste soutenu par de nombreux membres du PS, dont l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë. Voulons-nous être ? Oui. Enfin, Jean-Luc Mélenchon est sans doute celui qui a joué le plus avec le public présent sur le plateau. Le radical de gauche a également égratigné les médias, selon lui, plus détesté encore par les Français que les politiques. Dans les premières phrases de votre programme, y compris le référendum d'initiative populaire,